Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer la découverte des paris artistiques russes du 19e siècle. Nous allons commencer par Montmartre. Et nous nous trouvons avec vous rue Véron, 31 rue Véron. Et là, il y a deux ans, l'association Vassili Polinov et les descendants de ces deux artistes ont opposé cette belle plaque. Nous avons ainsi commémoré la mémoire de Polinov et Ripine, les deux peintres qui sont très, très connus en Russie, mais qui ne le sont peut-être pas autant en France. Et cependant, lorsqu'il y a Ripine, à l'automne 73, arrive à Paris, il est déjà un peintre connu, et non seulement en Russie, mais aussi en Europe. La résonance de son tableau « Les Halleurs de la Volga » était étonnante. Alors, « Les Halleurs de la Volga », plus tard, « Ivan le Terrible », et qu'est-ce que Paris a à voir avec tout cela? Ripine était véritablement enthousiasmé par Paris. Il vient à la fin août 73 et quelque temps après, il écrit déjà à ses amis en Russie. Paris m'enchante. Par son goût, sa rapidité, son raffinement, sa grâce et les tenues de parisiennes et les modèles parisiens, ils posent comme des acteurs. Et bien évidemment, étant tellement enthousiasmé par Paris, Ripine, ici, à Montmartre, se transforme en peintre français. Voici, je vous présente l'autoportrait d'Ilia Ripine et maintenant son premier tableau réalisé en France, en café de boulevard. Comment en regardant ce tableau, ne pas penser à la musique aux Tuileries d'Édouard Manet? Édouard Manet était déjà assez connu et Ripine connaissait les travaux, les peintures de cet artiste. Et ici, c'est comme une réponse d'un artiste russe qui vient en France et qui découvre Paris et qui est enchanté par ses moindres détails. Bien évidemment, par les costumes, les hautes formes, les chapeaux des femmes, par les lampadaires, les colonnes Maurice, les cafés. Ce tableau a d'ailleurs été présenté au salon au printemps 1974. Mais sur cette plaque, on lit non seulement le nom d'Ilia Ripine, qui est représenté à gauche, mais aussi celui de Vassili Polinov. Vassili Polinov était un ami d'Ilia Ripine, et lorsque, au début décembre de la même année 1973, il est venu à Paris, il a tout de suite loué un atelier un peu plus bas, au 72 rue Blanche, mais en attendant la fin des travaux dans son futur logement, il s'installe chez son ami Ripine. « J'habite maintenant Montmartre », écrit-il à sa famille, « dans le quartier des artistes et des ouvriers. Tout Paris est sous mes pieds. » Vassili Polinov, je vais vous présenter aussi son... Voilà. Donc, son portrait réalisé par son ami Ilia Ripine. Mais pourquoi ces artistes russes viennent-ils à Paris? En fait, ils étaient pensionnaires, c'est-à-dire boursiers, de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Tous les deux, c'étaient des élèves brillants. Ils ont reçu la grande médaille d'or de l'Académie. Et cette médaille, à l'instar du prix de Rome de l'École des beaux-arts de Paris, ouvrait le droit à un séjour à l'étranger de 3 à 6 ans.
Mais à la différence de l'école de Paris, l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg n'imposait pas à ses lauréats un séjour en Italie ou dans un autre pays européen. En fait, ils étaient très libres. Et à cette époque, Paris était incontestablement le centre artistique. Donc, en quittant leur pays, ils passaient par Vienne, par l'Allemagne, par la Suisse, l'Italie. Ils faisaient des séjours plus ou moins prolongés à Rome, à Naples, à Pompéi, qui étaient avec ses fouilles, c'était très intéressant. Mais après, ils venaient à Paris. Ils s'installaient ici. Et ce qui est intéressant, qu'au début des années 70, à Paris, il y avait déjà toute une communauté artistique qui était très active. Et au centre de cette communauté, il y avait un écrivain, un grand écrivain russe, Ivan Turgenev, et un artiste qui est peut-être maintenant moins connu, même en Russie, Alexei Bogolyubov. Et ces artistes, qui étaient relativement jeunes, ils avaient une trentaine d'années à peu près, comme Vassili Polinov ou Ilia Repine. Ils travaillaient beaucoup, mais aussi ils s'amusaient. Ils fréquentaient les mardis chez Bogolyubov, qui habitait rue de Rome, non loin de la gare Saint-Lazare. Quel endroit artistique, cette gare Saint-Lazare! Mais aussi les dimanches chez le général Tatichev, qui à ses heures perdues était aussi un peu un peintre amateur, aimait peindre des troïkas et des scènes russes. Le dimanche, ils allaient bien évidemment à l'office, à l'église russe Alexandre Nevski, rue Daru, et puis il se réunissait chez Ivan Turgenev. Et ce n'était pas loin. Ici, on est rue Véron. Et maintenant, on va descendre un peu. On va passer par la fameuse place Blanche et le Moulin Rouge. Et on va se retrouver chez Ivan Turgenev. Allons-y. Imaginez Ilia Repine, chargé de son chevalet, descendre la rue Lépic, qui au 19e siècle était aussi peuplée qu'aujourd'hui, et aller un tout petit peu plus bas, rue de Douai, chez Ivan Turgenev. Pourquoi chez Ivan Turgenev? Bien évidemment, Ilia Repine, comme tous les Russes qui venaient à Paris, rêvait de rencontrer ce grand homme, ce grand écrivain qui était déjà tellement connu. Mais aussi parce que Pavel Tretiakov, un collectionneur et fondateur de la fameuse galerie qui porte son nom à Moscou, lui a commandé un portrait d'Ivan Turgenev. Turgenev qui, disait-il, serait peut-être plus expressif que les portraits réalisés auparavant. Vivait ici, rue de Douai, dans un hôtel particulier, dans un appartement du couple Louis et Pauline Viardot. Pauline Viardot lui a offert tout un étage dans son appartement et 50 bis rue de Douai est devenu véritablement un centre artistique littéraire russe. Il est vrai que pour tous les Russes de passage à Paris,
Ivan Turgenev constituait en lui-même cette trait d'union entre la culture française, les écrivains, les artistes français qu'il connaissait très bien et les étudiants russes, mais non seulement les étudiants, aussi des grands écrivains, même s'ils n'étaient pas très proches de Léon Tolstoï, ils se fréquentaient à Paris. Lorsque Tolstoï venait à Paris, il voyait Ivan Turgenev, pareil pour des autres écrivains. Mais pour notre sujet, ce qui est intéressant, c'est que Turgenev était très proche des artistes russes. Voici l'adresse parisienne d'Ivan Turgenev, 50 bis rue des Douai, où il occupait tout un étage dans l'appartement de ses amis Louis et Pauline Viardot. C'est ici où Ilia Ripine venait en 73-74 pour réaliser ses portraits, commandés par le fameux collectionneur, fondateur de la galerie, Pavel Tretiakov. Tretiakov imaginait à cette époque, pour son musée, pour son futur musée, une galerie d'hommes éminents, célèbres, écrivains, artistes, peintres, compositeurs. Et c'est pour cette galerie qu'il a commandé à Ripine le portrait de Turgenev. Ce n'est peut-être pas le meilleur portrait de l'écrivain. D'ailleurs, Turgenev lui-même et Ripine ne l'aimaient pas tellement. Turgenev, à cette époque, il préférait un autre artiste, Alexei Kharlamov, un autre Parisien russe qui habitait non loin d'ici, près de la place Pigalle, et donc qui a peint ce portrait qui figurait au Salon de Paris. Mais grâce à cette commande de Tretiakov, Ripine, mais aussi son ami Vassili Polinov, ont pu entrer chez Turgenev et ont pu faire connaissance de ce grand homme, comme le décrivait Polinov. Et si avec Ripine, Turgenev n'a peut-être pas gardé des relations très chaleureuses, avec Polinov, au contraire, c'était tout de suite une très grande sensibilité et compréhension réciproque. En fait, Polinov, même si lorsqu'il vient à Paris, il se considère comme un peintre d'histoire, aimait déjà peindre comme ça, peut-être pour s'amuser, des paysages. Et ces paysages très lyriques, mélancoliques, un peu nostalgiques, sont tellement proches par leur atmosphère, par l'humeur qui se dégage de descriptions de la nature d'Ivan Turgenev. Et donc, effectivement, c'est à Ivan Turgenev que Polinov montre, lui présente son presque premier paysage que j'aimerais vous montrer aussi. L'averse. Et Ivan Turgenev est véritablement enchanté par cette petite étude. Dimachensi, une propriété de la famille de Polinov en Carélie, en Russie. Et on peut imaginer aussi qu'à l'occasion du nouvel an russe, ici, il y avait une grande fête. Et pendant cette fête russe, les artistes offraient à leurs protecteurs, à leurs amis, aînés, les plats en céramique. Les plats en céramique, mais c'est très intéressant. À cette époque, à Paris, Alexei Bogolyubov, qui était en quelque sorte inspecteur de ces artistes russes boursiers académiques, organisait un atelier de céramique russe, qui se trouvait d'ailleurs non loin d'ici, aussi à Montmartre-Bas. Et dans cet atelier, voilà, organisé par Alexei Bogolyubov, je vous présente notre livre édité avec l'association Vassili Polinov.
la première monographie sur l'artiste qui s'appelle Le Chevalier de la Beauté. On l'appelait ainsi, donc Polinov. Voilà. Les plans en céramique, ils reprenaient les sujets des contes, des folklores russes, mais aussi des paysages, des trains, des chemins de fer, les moulins normands, des vols roses. C'était quelque chose qui existait, qui a eu une existence courte à Paris, mais qui a donné naissance aujourd'hui des céramiques qui seront organisées plus tard à Abramtsevo, à Moscou. Devant l'avenue Frochot. C'est l'un des endroits les plus secrets de Paris artistique, et non seulement artistique d'ailleurs. Mais au milieu du 19e siècle, ici, il y avait plusieurs ateliers d'artistes où vivaient des peintres français, mais aussi des peintres venus un peu partout de l'Europe. Et c'est là où vient en 1856 Alexei Bogolyubov. Bogolyubov arrive ici après l'Italie avec une bourse de l'Académie des Beaux-Arts impériale. Il s'installe à l'avenue Frochot, enfin près de l'avenue Frochot, et chaque matin il vient ici parce que sous un grand tilleul il y avait une réunion de tous les artistes de ce petit quartier, comme il décrit dans ses mémoires. Et le centre de cette communauté artistique était un peintre français, Eugène Isabey, aussi un peintre des paysages, un peintre des marines, et Alexei Bogolyubov devient tout naturellement son ami et son élève. Et c'est d'ailleurs Eugène Isabey qui va conseiller à Alexei Bogolyubov d'aller peindre en plein air en Normandie. Ainsi, en 1957, Bogolyubov, accompagné de ses quelques camarades, va découvrir la Manche et la côte atlantique. C'est pourquoi, une vingtaine d'années plus tard, il va conseiller la Normandie à ses élèves, les pensionnaires de l'Académie. Et dans les années 70, lorsque Bogolyubov n'habitait plus ici, il était rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare, non loin de l'avenue Frochot, d'ailleurs juste un tout petit peu plus haut, habitait Alexei Karlamov, je vous ai présenté son portrait d'Ivan Turguilev, et un peu plus bas, c'était un autre peintre russe, Victor Vasnetsov, qui vivait à Paris. Et d'ailleurs, c'est ici que Victor Vasnetsov va réaliser une toute première ébauche de son tableau devenu célèbre, Les Trois Preux. Voici cette rue qui descend de l'avenue Frochot, qui s'appelle aujourd'hui rue Henri Monnier, et au 19e, elle portait le nom de Breda, où Alexei Bogolyubov habitait en 56-57 lorsqu'il est venu pour la première fois à Paris. Pittoresque qui descend vers les grands boulevards, vers l'Opéra Garnier.
La place Gustave Toudouze, qui portait un autre nom au 19e siècle. Et c'est là où, en 76-77, logeait Victor Vesnetsov. Quand on dit en russe Victor Vesnetsov, on pense tout de suite à Alenushka, à Trois Богатыря. C'est un véritable conteur, un artiste russe qui nous a enchanté avec ces images de contes issus des contes russes. Mais savez-vous que la première idée de son tableau Les Trois Preux, lui est venue ici, à Paris, peut-être lorsqu'il se promenait et bavardait avec ses amis artistes. Et un jour, dans l'atelier de Polinov, rue Blanche, il est venu et tout d'un coup, il a commencé à parler à Polinov de ces sujets qui l'enchantaient, qui ne le laissaient pas tranquille pendant ces derniers jours. Et Polinov lui a proposé de prendre les crayons et d'ébaucher cette première idée du tableau. Ce que Vesnetsov a fait, et il a voulu offrir cette première esquisse, dessin, à son ami Polinov. Mais Polinov a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Vesnetsov qu'il réalise, qu'il finalise son idée, et là, lui a dit-il, seulement là, il va accepter ce cadeau. Ce qui s'est passé, Victor Vesnetsov va rester encore quelque temps à Paris. Il va peindre dans les faubourgs parisiens des saltimbanques, des acteurs du cirque. C'est son tableau, les comédiens à Médon qui se trouvent au musée russe de Saint-Pétersbourg. Le sujet, l'idée des Trois Preux va mûrir dans sa tête, et lorsque le tableau sera finalement réalisé, il offrira cette première esquisse à Vassili Polinov. Voici combien d'idées sont nées ici à Paris, à Montmartre, dans les années 70 du 19e siècle.